Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une lampe qui m'a été envoyée par la société Olight et c'est leur modèle M22 Warrior. Alors pour ceux qui ont suivi les précédentes vidéos, en fait, je vous avais parlé de la M23 Javelot qui était donc aux environs de 90€, sans pile, sans switch déporté et sans mount. Donc cette fois-ci, on a une lampe donc toujours à 90€. Donc un modèle un peu plus ancien avec des caractéristiques légèrement inférieures mais avec laquelle on reçoit une pile, le mount et le switch. Donc on va déballer ceci, donc toujours dans des petites mallettes de transport bien sympathiques, hein. Donc on retrouve manuel et petit dépliant publicitaire. On retrouve alors donc la pile dont je vous parlais là, la voilà, donc une 18650 de 3200 mAh, hein, donc de quoi utiliser la lampe très longtemps. Donc on retrouve ici le switch déporté que j'avais dû avoir séparément pour la M23, hein, c'était pas dans le packaging. Le diffuseur toujours qui diffuse la lumière d'une manière beaucoup moins concentrée. Une petite attache pour mettre au poignet et pour ne pas perdre la lampe. Ce petit accessoire toujours qui vous permet, si jamais vous ne voulez pas les 18650, et bien de mettre deux piles CR123A. On retrouve donc toujours cette petite housse sympathique qui vous permet, hop là, de transporter la lampe n'importe où de manière bien protégée et de l'avoir sous la main. Donc comme je le disais la dernière fois, vous pouvez utiliser de chaque côté les petites poches pour mettre des piles supplémentaires. L'attache pour nos répliques, voilà, pour nos répliques d'Airsoft, une attache Picatinny 20 mm standard qui vous permettra d'avoir plusieurs configurations possibles en fait pour mettre cette lampe, hein, qu'on peut imaginer par exemple que vous puissiez l'utiliser avec le tile cap directement sans forcément utiliser le switch déporté. Alors, des petites pièces en spare pour réparer la lampe en cas de problème, hein, le tile cap et des joints d'étanchéité. Des petits accessoires en fait qui se mettent dans le mount. Alors, je ne sais pas si ça va bien se voir. Si là on voit bien, vous voyez les différentes épaisseurs en fait, ce qui vous permet soit d'utiliser cette lampe là, soit d'utiliser d'autres lampes, bon, de la marque Olight, mais pas que. Et ça vous permet en fait de bien caler la lampe selon le diamètre du corps de cette lampe. Donc c'est toujours sympathique d'avoir ça sous la main. Et enfin, on va ranger la boîte. Enfin, cette M22 Olight. Alors, la précédente, c'était Javelot. Cette fois-ci, c'est Warrior. On va jeter un petit coup d'œil rapide sur la qualité de fabrication. On peut déjà noter quelques différences, notamment ici où c'était en façon chromée ou aluminium. La M23 est une évolution de la M22, donc il ne faut pas s'étonner en fait à retrouver beaucoup de points communs entre ces deux lampes. Voilà, donc ce que je peux vous dire sur ce modèle-là en particulier, c'est que c'est une lampe qui fonctionne jusqu'à 950 lumens avec une autonomie de 30 heures. Donc comme je le disais tout à l'heure, vous la faites fonctionner soit avec une 18650, soit avec deux CR123A. Elle est waterproof, elle est choc résistante jusqu'à 2 mètres. Elle est garantie 5 ans par Olight. Donc ça, c'est quand même quelque chose, c'est un bon point. Bon, après, il faudra vérifier effectivement qu'est-ce qui est pris dans la garantie. Pour terminer sur les caractéristiques techniques, donc la lampe fait 144 mm de long, elle a un diamètre de 41 mm au niveau de cette partie-là, de la tête, du bezel, et elle pèse aux environs de 146 grammes d'après les données constructeurs. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais retirer cet accessoire qui ne nous sert à rien pour nous, enfin qui ne nous sert à rien, que je ne trouve pas forcément très utile en airsoft, c'est le petit clip pour mettre à la ceinture. Nous, on monte
ça sur des répliques... Enfin, je monte ça, personnellement, je ne vais pas faire une généralité. Je monte ça sur des répliques d'airsoft. Voilà. Donc, je récupère la lampe... La pile qui était là. Je la mets dedans. On referme le tout. Et ça marche. Donc, on va passer aux différents modes. Donc, sur le principe de la précédente Olight et de beaucoup d'autres lampes de ce type-là, vous avez le constant on si vous appuyez et le momentary si vous appuyez qu'à moitié. Quand on est en constante, on tourne toujours le bezel pour avoir les trois modes avec une fonction mémoire du dernier mode utilisé. Voilà. Si vous êtes par exemple en mode low et vous voulez passer rapidement en mode on, enfin en mode high, il faut appuyer deux fois rapidement. Voilà, vous êtes tout de suite en mode high en cas de nécessité, que ce soit en partie ou dans d'autres situations. Et enfin, vous avez un mode strobe en appuyant trois fois rapidement sur le bouton, quel que soit le mode utilisé précédemment. Voilà. Et au niveau de la fonction mémoire, on revient toujours au dernier mode utilisé. En ce qui concerne les accessoires qui sont fournis, eh ben, rien de plus simple quant à leur utilisation, hein, c'est le même principe que la M23. Le diffuseur, il vous suffit de le placer sur le bezel. Et donc on a quelque chose de beaucoup plus diffus, hein, comme son nom l'indique, quelque chose qui peut être très pratique pour de très grandes pièces. Pour utiliser le switch déporté, on retire le type cap et on met voilà, le switch. Après, il suffit d'appuyer ici pour avoir la lampe qui fonctionne. Enfin, concernant le mount, deux vis. Donc, il vous suffit de dévisser celle-ci afin de pouvoir passer la lampe, enfin le corps de la lampe là. Voilà. Et donc après, vous avez une seconde vis pour fixer au rail Picatinny. Donc je terminerai cette vidéo, déjà en vous remerciant de l'avoir vue jusqu'au bout, et en vous récompensant d'une certaine manière en avant-première, en vous annonçant un concours avec Olight. Donc pour participer, rien de plus simple, il vous suffit de mettre un commentaire sur cette vidéo. Donc je précise qu'il n'est pas nécessaire d'être abonné à ma chaîne YouTube ou à la chaîne Olight, hein. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Vous mettez un commentaire, préférentiellement, si le terme existe, quelque chose du style ce que vous allez faire avec cette lampe. Mais si vous voulez faire une critique ou dire ce que vous allez manger ce soir, ça ne me gêne pas. On tirera un commentaire au sort, quel que soit le contenu du commentaire.